Ouais, survivant, bienvenue sur VLFR.gaming. Bon, on se retrouve aujourd'hui, petite vidéo présentation du nouveau PTR. Donc, je suis sur l'état 2, je crois, un truc comme ça. Pas vraiment important. On a reçu le mail avec tout ce qu'on va pouvoir utiliser et les nouvelles choses. Donc, on fait une première vidéo où on va vous montrer un petit peu tout. Et je reviendrai plus en détail sur d'autres vidéos. Donc, nous avons des nouveaux boosts, mais des boosts spéciaux. Donc, rallye capacité. Donc, vous avez possibilité d'augmenter la capacité de votre rallye de 100K pendant 60 minutes. Vous avez possibilité de l'augmenter de 30 minutes, 15 minutes et de 5 minutes. Vous avez des cooldowns pour chaque. Mais vous pouvez tous les activer en même temps si vous le souhaitez. Donc vous pouvez activer suite 5 minutes, suite 15 minutes, suite 30 minutes et suite d'une heure. Et vous avez un cooldown. Ensuite, pendant 15 heures, là, vous ne pouvez plus en activer. Donc à vous de choisir quand est-ce que vous allez pouvoir ou vouloir l'utiliser. Et attention, vous rajoutez que du temps. C'est pas j'ajoute 100K à ma capacité et 100K encore ici et 100K encore là et 100K encore ici. Vous augmentez juste votre temps. Le boost, c'est 100K en plus. Et après, tout ce qui va vous changer, c'est les différents temps. Donc vous allez augmenter votre temps avec les 100K supplémentaires. Mais vous n'allez pas rajouter 100K, 200K, 300K et 500K. Juste 100K et c'est vos minutes qui vont augmenter. Nous avons aussi deux nouveaux boosts, donc nous avons troupes attaque de 10 minutes, de 20% supplémentaire, et donc ceux-là ne sont activables que pour le réservoir raid. Donc c'est 20% pendant 10 minutes, juste pour le réservoir, donc c'est pareil, à savoir quand les activer au bon moment, et parce que votre adversaire va pouvoir l'activer, et je pense, donc là je peux pas les essayer, mais je pense qu'on va avoir un cooldown pour ceux-là aussi. Et donc, vous pourrez en activer qu'un seul par réservoir. Comme vous pouvez activer qu'une seule capacité, une extension de capacité de rallye, qu'une seule fois pour une capitale ou un SVS. Toutes les 15 heures, vous avez juste le temps de faire un seul combat. Ensuite, deuxième petite nouvelle et grosse nouvelle de notre PTR, c'est l'extension de notre héros appointement. Donc, pareil, je reviendrai ultérieurement sur une autre vidéo sur le sujet, parce que là, ils nous ont fait quelque chose de gros, donc je vous ferai une autre grosse vidéo dessus. Donc, ils nous ont rajouté trois nouvelles équipes, trois nouvelles escouades. Militaire, advisor, réservoir, commando et réservoir, tacticien. En plus de cela, on doit augmenter encore nos héros. On avait déjà niveau 40, maintenant vous avez un niveau max. Donc vous passez de 40 à max, juste un seul niveau pour finir le petit logo qui est en bas, ce qui va vous permettre d'aller récupérer de la létalité et de la santé des troupes. Vous avez différentes escouades avec différents bonus. Pareil, je reviendrai là-dessus sur une vidéo complète sur le sujet. Et je crois que c'est tout pour notre petit PTR. On avait vu des optimisations de Minimayent, d'Azurtan. Donc maintenant, vous avez pu avoir la page d'Azurtan qui va rester pendant 2 jours. Le Minimayent, c'est pareil, ça va y avoir des optimisations au niveau de la... Excusez-moi, au niveau de la boutique. Mais voilà, principalement, notre PTR, là, cette grosse mise à jour, c'est les nouveaux héros appointements. Et je reviendrai là-dessus sur une nouvelle vidéo. J'espère que la petite vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!